Coucou, j'espère que tu vas bien. On va regarder ensemble ton horoscope du lundi 26 septembre 2022, suivant ton signe astro, mais également suivant ton signe ascendant. Commençons avec les béliers, où là, clairement, on me dit qu'on peut renouer des liens avec un ou une amie, ou sinon, il y a peut-être aussi une amitié lointaine qui pourrait revenir vers vous, donc une personne qui reprend de vos nouvelles. Les taureaux, quant à vous, eh bien, il y a comme une sorte de conversation que vous avez envie tout simplement d'évoquer depuis pas mal de temps. Donc vous allez essayer de glisser quelques mots, mais j'ai pas l'impression que on soit à votre écoute hein, durant cette journée-ci. Hein. Les Gémeaux, alors amis Gémeaux, chez vous c'est quitte ou double, puisque au niveau relationnel, j'ai l'impression que vous réglez tout un petit peu comme une formalité. Donc soit vous voyez que eh bien, l'amour est triomphant, que vous êtes dans une bonne situation, dans un bon mood avec la personne et vous allez dire hop hop hop, allez, on passe à la vitesse supérieure. Ou soit tout simplement vous pouvez même prendre correspondance avec quelqu'un, si vous ne la voyez pas de visu, et lui dire que c'est terminé. Hein, d'où le fait que pour vous c'est quitte ou double. Hein. Et j'ai fini avec les cancers. Alors, amis cancers, il y a une très très grosse joie pour vous, mais parce que vous allez faire une sorte de projection et tout ce qui était instabilité intellectuelle, émotionnelle, toutes ces choses-ci, eh bien, vous vous rendez compte en fait tout simplement que ça peut être aussi une sorte de cadeau. C'est comme si en fait tous vos troubles vont vous permettre aussi de vous dire vers quoi vous dirigez, donc vous transformez le négatif en positif et ça va vous réussir. Hein? Es-tu prêt ou prête à connaître cette seconde partie de notre horoscope du lundi 26 septembre 2022, suivant ton signe astro, mais également suivant ton signe ascendant? Eh bien, c'est parti, let's go! Mais surtout, n'oublie pas que tous les signes qui ne sont pas dans cette vidéo-ci sont toujours dans le feed de ce compte TikTok. Les lions, vous êtes dans une énergie ou même plutôt dans une attitude où vous voulez vous protéger, peut-être même vous surprotéger, puisqu'il y a du changement qui peut arriver. Mais ce changement peut un petit peu vous faire peur, alors que pour autant, eh bien, on a une énergie de chance hein, qui est autour de vous. Et il y a des possibilités, d'opportunités via tout ce qui est email, internet, même par courrier, donc peut-être tout simplement des rencontres d'ordre sentimental, ce type de rencontres. Des possibilités aussi d'avoir un nouveau travail si on postule via Internet. Donc, mes chers amis Lyon, on vous encourage tout simplement à un petit peu aller vers la découverte. Hein. Ensuite, les Vierges. Alors, pour vous, mes chers amis Vierges, malheureusement, on me dit qu'au niveau du travail, on va être un petit peu dur avec vous. On va souvent vous faire des réflexions que vous ne faites pas ceci correctement. Donc, attendez-vous à ce que, eh bien, on se montre assez dur hein, par rapport à ceci. Hein. Les Balances, quant à vous, eh bien, il y aura une discussion qui sera fort intéressante durant cette journée-ci. Et ça vous donnera des envie d'entreprendre de nouvelles choses et des choses même étrangères. Donc peut-être aussi de faire un voyage ou faire tout simplement quelque chose même que vous aviez envie de faire étant enfant et que vous n'avez pas pu réaliser. Et je finis ensuite avec les scorpions. Amis scorpions, il y a une relation qui est pourtant très magnétique. Alors c'est peut-être que de votre côté ou du côté de l'autre personne, mais quoi qu'il advienne, il y a une sorte de distanciation durant cette journée-ci, puisqu'on se demande si on est en train d'emprunter le bon chemin avec cette personne-ci, si on prend les bonnes décisions, est-ce que c'est la meilleure possibilité? Donc clairement, une distance pour entre guillemets savoir si c'est bénéfique ou non pour vous et pour l'autre personne. Sagittaire, ça sera l'argent qui sera votre priorité en cette journée-ci, puisque vous allez voir comment faire pour avoir une évolution saine en ce qui concerne votre argent ou retrouver tout simplement une santé financière. Les Capricornes, on me dit qu'il y a pas mal de choses qui vont changer autour de vous et vous n'aimez pas trop tous ces remaniements, toutes ces règles. Donc à un moment donné, il se peut que vous preniez une distance par rapport à tout ceci et que vous n'ayez qu'une envie, c'est de vous isoler.
Les Verseaux, alors les Verseaux, quant à vous, eh bien, il se peut qu'on vous reproche de passer trop de temps au niveau du travail ou peut-être même dans vos activités personnelles. Et c'est surtout au niveau relationnel hein, qu'on vous reproche ceci. Hein. Donc attention quand même d'être là pour votre cher et tendre. Et je finis avec les Poissons. Amis Poissons, vous êtes en pleine examination dans votre vie par rapport à vos actes. C'est comme si vous vous rendez compte qu'il y a peut-être certaines choses où vous avez cédé et que vous n'auriez peut-être pas dû puisque ça ne rentre pas, du coup, on va dire, dans une attitude bienveillante. Donc, vous pouvez culpabiliser par rapport à ceci, hein. Voilà pour nous pour cet horoscope. J'espère bien évidemment qu'il vous parlera. Je vous envoie énormément de love et je vous dis à demain et surtout prenez bien soin de vous.